Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 28. Déjà, ça va très très vite sur God of War. Ragnarok, évidemment, on va reprendre de ce pas le bateau. Et on va essayer de trouver des petites solutions pour le coffre à gauche qui est toujours resté bloqué. Frère, et on va aller voir ce qu'il y a à droite de ton frère en espérant et de ce y trouver quelque chose. Après avoir été brûlé par les as. Tout simplement. Cet épisode alors, a longtemps. On se calme Freya, merci d'avance à tous ceux qui pensent encore à mettre des j'aime et des commentaires, j'espère que vous êtes toujours là et que vous êtes évidemment toujours chaud quant à cette aventure qui est juste fantastique, 4K, 60 FPS, la base évidemment, je compte sur vous pour profiter de la meilleure qualité, je peux pas faire mieux, voilà, je peux littéralement pas faire mieux, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que je vous fournis de la 4K 60. Ça va être difficile, les amis, ça va être difficile, je vous le dis, de faire clairement mieux. Alors, il y a un truc en bas. J'ai trouvé. Ok. Voilà! Mais c'est incroyable. Je suis beaucoup trop chaud, les amis. Commencer une vidéo comme ça, je vous avoue que ça me fait plaisir. J'avais totalement oublié à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est totalement fou. Attaque de zone! Ok. Oh, mais ça, c'est incroyable. Ça, par contre, ça a l'air totalement fou. Oh là 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 là. Quel bonheur, quel bonheur. Alors, il faut savoir que j'ai énormément d'XP non utilisés. Attends, pourquoi on peut pas... Pourquoi il y a des signes sur le mur si on peut pas... C'est bizarre, ça n'a pas de sens. J'ai totalement trouvé, Freya. Et je suis très content d'avoir trouvé, d'ailleurs. Allez, on repasse par là. C'est un non-sens, étant donné qu'il y a un bateau qui vient de repop. Mais, hé, on s'en fiche. On n'est pas là pour ce genre de petits détails, évidemment. Et on va s'octroyer nos compétences parce que je peux vous dire... Je vous réserve cette surprise depuis quelques épisodes. Non ! J'avais totalement oublié, je suis un menteur. J'ai énormément d'XP, donc il va falloir les utiliser. Alors, on a un petit 2000 ici, par exemple, qui est totalement fou. Évidemment, on prend. On a un petit 2000 ici, qui est totalement fou. On a un petit 1500 seulement ici. Lors d'un sprint, maintenez triangle pour activer rapidement l'éveil, évidemment. Et on a ceci. Mais c'est pas tout. On a aussi... ça peut être pas mal, ça. On va réactiver. On a vraiment pas mal d'XP. On est super chaud. On a... Qu'est-ce que c'est? Les compétences de Freya. Bah ouais, mais la bibiche, elle commence à... Elle commence à nous coûter du pognon, là, si je puis me permettre. Freya. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. On reprend le bateau et on va aller à droite parce qu'il n'y a pas encore une seule fois été. Et après, on ira voir enfin... Mimir. Les yeux d'Odin. Probablement. C'est au moins une belle récompense à De quoi parle-t-on exactement? D'avoir renoncé à ton corps. Est-ce que je regrette d'avoir échangé ma vie pour ma liberté? Voilà une question que je me pose chaque jour, madame. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je me réjouis d'être libre. Comment pourrais-je prendre du si bon temps en ta compagnie, sinon? D'accord. Ok, boire la rosée a des bienfaits, force plus 2. C'est une ressource unique. Oh, un buffle. Ça va, mon Freya, tu parlais de ton frère et de ce qui lui est arrivé après avoir été brûlé par les as. Oui, okay. Cet épisode l'a longtemps hanté. Cela n'excuse en rien ce qu'il a dit à mon mariage. Mais je peux comprendre d'où venait sa colère. Écoutez les amis, je crois qu'on a littéralement... Je suis un menteur. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? On a un pont. J'allais dire, je pense qu'il est Freya, temps de partir. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que Rimtur a murmuré à ton oreille? Qui? Rimtur! Le fils de Tamur, le tailleur de pierre, qui s'est déguisé pour bâtir le mur d'Asgard.
Attendez, on va casser les gueules. Attends, petite pause, Mimir. Petite pause, Mimir, cassage de gueule. Une autre fois, restons concentrés. Je ne laisse pas te poigner. Ok. Fireball! Oh non! Je me laisse mourir. Non, je me laisse mourir. Faut pas abuser. Non, mais là, c'est quoi ce délire? Ah, c'est l'explosion quand il est mort! Damn! Ok, allez, go. Attention, à droite! Ok, on va garder ça. Derrière toi, prends garde. Oh. Ok. Dégage. Ok, cette fois on retombe pas dans le panneau. C'était bien l'explosion. Allez, celui-là on va le terminer. Qu'est-ce que c'est? Hop. Fireball. Ok, superbe. Superbe. J'ai un peu honte d'être tombé face à des trucs propres comme ça. Quoique leur explosion fait sacrément mal, j'ai déjà mis d'HP. Ok. Ouais. C'est quoi ces bruits mystiques C'est quoi ces bruits mystiques là, frérot? Qu'est-ce que c'est? Ce brasier, il pourrait nous aider avec les ronces. C'est hyper mystique là, les bruits qu'on entend. Oh là, je vois pas. Attends, excusez-moi, mais c'est ça là? Et ferme ta gueule! J'ai dit ferme ta gueule! Attends. Débarre, je peux pas le tuer. Ok, bien, wesh. Je peux pas le tuer. Ah! D'accord, je savais pas que ça faisait ça. On peut pas tuer le singe qui fait des incantations là, je sais pas trop ce que c'est. C'est incroyable! Qu'est-ce que c'est? Le chant d'une Noken. Ouvre l'œil. Ce son n'annonce rien de bon. Ok. Allez les gars. Oh non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui récupèrent leur vie. Ok, je reviens. Oh, vache. Ok. Hop. Hop! Il est où, salopard? Derrière toi! Prends garde! Ok. Allez! Allez, mon pote! Là, c'est terminé pour toi! Hop! Ok! Là, c'est fini, les gars! Là, je suis énervé, mon pote! Hop, et là, éclatage de bouche à l'ancienne. Attache en deux. Voilà, ça dégage. Allez, mon pote. Hein. Écarte-toi. Ok, Freya, toi, t'as pas peur. Toi, t'es malade. Il faudra la baisser. Ok. Allez, une petite patate comme ça dans le coffre. Bon, c'est encore une nouvelle zone où on n'est jamais allé. C'est incroyable, j'ai l'impression que les quêtes secondaires ici ne s'arrêtent littéralement jamais. C'est totalement fou, j'adore. Voilà, j'adore. Je sais que ça fait peut-être un peu long pour vous. Mais il y aura sûrement un double épisode pour Noël, les amis. Ça serait beau, ça. Ah ouais, ça c'est beau, ça. J'ai toutes des bonnes idées, moi. Okay. Dégage. Ok. Waouh.
Pardon? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça m'embête un peu. Et là? Ceci m'embête un peu. Quelque chose est suspendu dans l'arbre au-dessus de nous. Attends. Quelque chose... Ok. Ça pourrait servir. Herbe. D'accord, je l'ai. Je l'ai. Non. Alors là... Je l'ai, mais je l'ai pas. Ok. On va faire un petit tour vite fait. Ouais, là c'est... Là pour l'instant, là c'est un petit peu l'énigme. Ah, d'accord. Yes, ok. D'accord. Ok. Donc si je fais ça... Alors attendez, on est face à... face à l'énigme. Si je fais ça... D'accord. Pardon. Ok. Non. Superbe. Et maintenant, je pense que je suis juste... Je crois bien que ça a marché. Et ben voilà. Ok. Oh non, je me suis encore enflammé. Superbe. Allez, on continue. Bien, ça a marché. Bien, bichette. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ok, tout ça pour un coffre, c'est pas mal, je prends. Merci. Alors, une rune, sûrement. Une poignée. De niveau 5, la poignée. Je vais la prendre pour l'instant. Ça va être dur. Elle est magnifique. C'est une très belle poignée, ça, les gars. Hein. Ça, il faut le savoir. J'ai rarement vu une poignée aussi stylée. Ok. Eh ben, écoutez, on peut partir. Pardon. Ok. 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 Éclatage de gueule. Oh là là, chacun fait son boulot, ça me plaît. Attends, mais t'as pris sa place dans son corps ou quoi? Freya, tu es diabolique, j'adore. Veux-tu m'épouser, Freya? Et on t'appellera Frayeur. Ok. Ah bah non, ça ferait comme son frère. C'est embêtant. Très bien, on peut partir. On a récupéré la poignée, les amis. Je suis très content. Continuons. Alors, tu disais quoi, Freya? Qu'est-ce que c'est? Je t'aurais battu. Quoi? Tout à l'heure, si Atreus n'avait pas été là. Peut-être. Nous pourrions recommencer, mais... histoire de nous en assurer. Je ne préfère pas. J'en étais sûre. Ok. Je sais pas si c'est une nouvelle zone. Je suis en découverte totale. Ok, on peut pas s'arrêter là. Nouvelle zone où on est déjà passé par là. Bien, si nous en revenions à l'histoire de Rimtur, le fils du tailleur de pierre, j'espérais que Freya nous raconterait sa version des faits. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Au début, je n'étais même pas au courant. Odin ne devait pas s'attendre à perdre le pari. Un mystérieux bâtisseur. Ok, on est déjà passé là, très bien. Pour ériger le mur tout entier. Deux saisons. En cas de retard,
Il ne recevrait aucun paiement. Allez, direction les yeux d'Odin, et on peut continuer la quête principale. C'est l'épisode du grand changement, évidemment. C'est parti. Petit tour de magie. On adore la magie. Maison de Sindri. Non. Il faut aller à la maison de Sindri, mais là, il y a les yeux d'Odin. Donc, on va aller tout simplement aux yeux d'Odin. Et ça me paraît pas mal. Let's go. Allez, on va récupérer un objet. Je sais pas c'est quoi. C'est pour les premiers corbeaux qu'on a fait. Ah, ça me fait chier, je culpabilise déjà d'avoir laissé le corbeau en arrière. Allez, c'est parti. On ira à la maison de Sindri juste après. Et on reprend le fil de nos aventures. Qu'est-ce que c'est ? Qui est déjà incroyable ! Évidemment. Allez. Ok. Tiens, mon ref, pendant que je te tiens. Qu'est-ce que ce sera ? Pendant que je te tiens... Ah, j'ai pas d'os pétrifié, c'est très embêtant. Ok. Ok. Et ça, c'est améliorable. C'est améliorable de fou, d'ailleurs. Très bien. Rond de bouclier, il est aussi améliorable. Oh, la vache, ça garde grave de défense. Qu'est-ce qu'on fait pour la sorcière? Et l'épée est pas améliorée pour l'instant. Ok, c'est pas grave. Écoutez, on va se retenir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les corbeaux. Ce que nous détruisons. Les petits espions d'Odin. Comme le père de tout, nous avons quitté l'arbre. Le père est devenu sage. Et nous, esclaves. Nous avons quitté l'arbre. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Les énigmes ne sont pas ta spécialité. Oh putain, on était un corbeau. Oh là là, le seum. On était un corbeau. On était à un corbeau. Et j'ai gagné celle-là. C'est une belle tenue, mais c'est pas... Ça me plaît pas. Ok, on se casse, c'est pas grave. Odin doit avoir fait naître ces créatures. Comment ? Je n'en ai pas la moindre idée, ils sont arrivés après moi. Mais nous devrions continuer à détruire tous les corbeaux d'Odin que nous verrons. Ah, il faut encore plus culpabiliser. Dites pas ça, les gars. Dites pas ça, let's go. Allez, direction la quête, les amis. Direction la quête, il nous reste beaucoup de royaumes. Normalement, il y a 9 royaumes, évidemment. Mon frère, tout. Comment comptes-tu aborder ta prochaine discussion avec le petit? Il me dira où il était. Il n'y a rien à ajouter. La fameuse diplomatie spartiate. Un instant. Tu dis qu'Odin l'a invité à Asgard et qu'il a ensuite disparu pendant 2 jours? Oui, mais le petit a assez de bon sens. Ne négligez pas la force de persuasion d'Odin. Il a empli de mensonges l'esprit de mon fils. Pourquoi ne ferait-il pas de même avec le tien? Ok. Allez, c'est parti, les amis. Allons-y, let's go. Dis bien à ce bouffeur de gland qu'il m'envoie. Qui est bouffeur de gland? Gratté, face de gnome. Tiens, mais qui voilà? Content que sa divinité ait pu faire le déplacement. J'ai mis ta magie sigillaire sur l'arc du petit merdeux. Et puis lui et Sindri se sont mis à se prendre le chou sur un truc. Je sais pas vraiment qui gueule sur qui là-dedans, mais je suppose qu'ils l'ont tous les deux cherché. Ok. Papa est de retour. Allez. Hey, tire. Debout. T'as de la visite. Tiens. Je l'avais oublié, tire. Et si t'allais t'installer de ce côté là-bas, dans le soi-disant bureau de Sindri? Ça ne le dérangera pas. Le déranger? Il est paru 2 jours sera ravi. Sans personne qui a gagné son prestige de... T'as intérêt à lui serrer la vis. Et à bien serrer. Ah, t'en voilà. Es-tu prêt à me répondre? À propos de quoi? Où étais-tu? Qui as-tu vu? Était-ce Odin? Quoi? C'est ce que tu crois? Tu vas le nier? Réponds-moi! Étais-tu à Asgard? Non! Bien sûr que non! Et même si j'y étais,
C'est mon avenir et ma vie. Tu es mon fils. Alors pourquoi tu me crois pas? Si tu veux que je te croie, dis-moi la vérité. La vérité, c'est que tu te comportes comme un idiot. Petit, ce n'est pas comme ça que tu le feras changer d'avis. Il n'a aucune confiance en moi. Lui peut avoir des secrets, mère peut avoir des secrets. Ce n'est pas vrai. Ces secrets hantent chacun de nos pas. Ah, je vois. Donc t'as plus confiance en elle? Il ne s'agit pas de ta mère, mais du fait que tu me mentes. Je me demande de qui je tiens ça. Ça suffit maintenant. Depuis quand t'es de son côté, toi? Depuis que c'est lui le plus raisonnable. D'accord. J'ai peut-être pensé à aller voir Odin. Mais je jure que c'est pour une bonne raison. Il n'y a pas de bonne raison d'aller voir Odin. Il ne ferait que t'embrumer l'esprit. Mais j'irai le voir pour nous. Pour empêcher que quelque chose de mal nous arrive. Il est trop tard pour ça. Regarde-moi. Ou Freya, et tire. Odin nous a fait du mal. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès tout à coup? Atreus veut aller à Asgard. Asgard? Il a pris un coup sur le crâne ou quoi? Génial. Maintenant, tout le monde est contre moi. Tu dois choisir celui que tu veux être. Vas-tu continuer à me cacher des choses et à me mentir? Où es-tu, mon fils? Choisir? Je n'ai jamais le choix. Lâche-moi un peu. Écoute. Lâche-moi, j'ai dit. Écoute. J'ai dit, lâche-moi! Atreus! C'est Sindri! Essaie de te calmer! Mais c'est pas vrai, il redevient un con, ce gamin! Mais quel enfer! Oh là là! Des scénéens partout! On est bien, Midgard! Ok. Continuez! Vous mettez juste à me réchauffer! Salopard! Ça m'avait manqué! Oh là là, je me fais tabasser. J'ai plus l'habitude. Ok, let's go. Ok. Quel enfer. Il faut que je trouve un abri. Oh non, Atreus, là je suis pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi En fait... C'est comme The Last of Us 2, tu vois, il force le joueur à être complice, c'est très très bien pensé. Il force le joueur à être complice de la bêtise, finalement, du protagoniste. Quelle fois ? Wesh ! T'es un ninja, toi ! Ces créatures ! Quand est-ce que ça a si mal tourné ? Ok. Quel enfer. Ok, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est exceptionnel. Bon allez, je me casse. Quoi? Il y a des yeux d'Odin? Enfin quelque chose qui ne cherche pas à me tuer. J'ai juste besoin de chaleur. Plus qu'à trouver où aller ensuite. Ah, la voix, le fugitif, commencez. Ça sent pas bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une sorte de fantôme? Qui a la fois? Wow! Qu'est-ce que tu me veux? Oh! Oh, tu
commence à me casser les couilles. Oh là là. Désolé, là, je suis en pleine... C'est difficile de parler. Oh la vache. Ok. Ok, je m'éloigne. Étourdissez les orbes pour flèche des flèches. Tire pas. Oh, c'est nouveau, ça vient de sortir tout ça. Ah oh ouais, c'est terrible. It's terrible. Ok. D'autres corbeaux. Vous avez quelque chose à me dire? Odin nous observe, les amis. Ça sent pas bon, cette histoire. Odin peut venir sans aucun problème par ici, normalement. Ok, il y a une issue à droite, mais il y a aussi quelque chose à gauche. Et ben, vous savez quoi, vous me connaissez maintenant. On va aller check à gauche. Impeccable bien. Que dalle. Que dalle, on est d'accord? Ok, on est d'accord. Bon! Très embêtant ce qui est en train de se... Voilà. Très embêtant ce qui est en train de se passer. Ça sent pas bon, je pense qu'Odin va nous recueillir. D'abord, il pense j'ai peur. Que je suis allé à Asgard, et ensuite il ment. J'essaie de te sauver la vie, espèce de gros nul. Non, non... Quel froid. Je dois me protéger du froid. Ok... Quel enfer. J'aimerais bien me protéger du froid, Bibiche. Allez. Très bien ça. Oh, oh putain, je me suis chié dessus. Ok. Ok, ça c'est des explosions nucléaires, mon ref. Ça explose tout sur son passage. J'ai du mal à dire le mot nucléaire. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Allez. C'est terminé. I am beaucoup trop hot. Et j'aime ce Mao. Ok. Garde-moi. Il va être très très chiant. Ok. Ok. Oh, je commence à avoir des réflexes de titan, hein. Viens le fort. Oh. Okay. Bien joué. J'ai gelé même, je dirais. T'as compris le jeu de mots. Viens le fort. Allez, ça dégage. Trouver un abri et ensuite. Où je vais aller? J'ai compris, Atreus, j'ai compris. J'essaye juste de fouiller à gauche à droite, néanmoins, pas de trésor. J'ai l'impression que le frérot, là, il veut s'émanciper, Atreus. Tu fais n'importe quoi, ça sent pas bon, cette histoire. Ça sent vraiment pas bon. Les amis, on vient de battre un mec ultra chaud. On va pouvoir s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos incroyables aventures. C'est bientôt Noël, et en plus, en période de Noël, regardez, il neige. C'est incroyable. Allez! À bientôt tout le monde! Bye bye!